Ouais, Yomina, aujourd'hui je vous retrouve pour avec un bordel à côté de moi. Mais si vous avez vu le titre, vous pourrez comprendre que c'est mon cosplay. Cette vidéo est une présentation de mon cosplay de Angie Zoé de l'attaque des Titans. Si vous connaissez l'attaque des Titans, bah vous la connaissez ou pas, hein. Donc je vous mettrai une photo de ce personnage ici. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais présenter chaque élément un par un, où je l'ai acheté, le prix, le vendeur, etc. Parce que en fait, j'ai presque tout acheté sur AliExpress. Tout ce qui est officiel du monde du cosplay, donc c'est sur AliExpress. On va commencer sans plus tarder. La veste. La veste, c'est la veste du bataillon d'exploration, logiquement. Elle est comme ceci. Voilà. Donc le vendeur c'est iBestie, donc eBestie en français. Voilà. Donc il m'a coûté 19 euros. Au niveau délai de livraison, ça va. Enfin, c'était moins d'un mois en tout cas. Donc pour AliExpress, le délai de livraison c'est 2 semaines minimum. Ça va. Donc il me semble que je l'ai reçu en 3 semaines, je crois. Ça va largement. Voilà. Mon perso, je l'ai commandé en taille S. Oui, S. Elle me va. Elle me va très bien. Voilà. C'est vu que c'est un site chinois, on dit toujours qu'il faut commander une taille au-dessus parce que c'est les chinois, taille petit. Sauf que bah moi perso je suis S normalement et ça va en fait. Après ça dépend de votre corpulence. Voilà, elle est très bien je trouve. Après niveau qualité, c'est pas le top, hein. Après, si vous voulez une bonne, très bonne qualité, c'est pas sur AliExpress qu'il faut aller logiquement, et c'est pas 20 euros que vous devez mettre, c'est mes 40 tout de suite. Mais franchement, rapport qualité-prix, ça va. Voilà, il y a quelques fils qui ressortent, le tissu n'est franchement pas épais, il est très fin, enfin, je pense qu'il peut vite s'abîmer. Mais bon, voilà, pour le nombre de jours qu'on le met dans l'année, enfin, moi perso, c'est que pendant les conventions, et encore que pour une convention, donc que pour la Paris Manga février 2016. Je sais pas, je le remettrai sûrement pour des photos et tout, pour une prochaine convention, je sais pas du tout. Mais franchement, ça va. Il y a le harnais. Si vous regardez l'attaque des Titans, vous connaîtrez logiquement. Enfin, je pense que de toute façon, si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous connaissez sûrement l'attaque des Titans. C'est comme ceci. Donc, je l'ai reçu en plusieurs sachets. Il n'y a pas que celui-là. Il y a ça aussi. Et il y en a un troisième. Celui-là. Voilà. Donc je suis trop mal organisée niveau normal. Voilà. Alors niveau qualité, c'est pas la qualité grandiose, mais ça va. Hein. Perso, le harnais, il m'a coûté, je crois. Elle m'a coûté 18 euros. Le vendeur c'est Sinokos, toujours sur AliExpress. Niveau des livraisons, pareil, en dans 3 semaines environ, 3-4 semaines, ça va. Par contre, le gros bémol, c'est que ça pue en fait. Genre, ça pue le plastique, mais à 300 km. Genre, de là, ça pue, enfin. Ça sent une sorte de chimique, le plastique, un peu cheap, je sais pas comment dire. Mais franchement, après, pour l'usage qu'on en fait, ça va. Hein. Ça va, franchement. Ça donne un bon rendu au niveau habillage. Mais après, si vous voulez une très bonne qualité, pareil, c'est pas ça qu'il faut vous prenez. Hein. Mais sinon, comme je vous l'ai dit, ça va. Niveau mode d'emploi, donc il y en a un comme ça. Donc c'est écrit en chinois. Super, super pratique. C'est pas très grave. Avec des images, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc si vous comprenez le chinois, pas de problème. Mais bon, pour moi qui comprends rien du tout, voilà quoi, c'est pas très pratique. Franchement, ça, si vous cosplayez en attaque du temps et qu'il y a besoin de harnais, franchement, c'est super galère à mettre. Franchement, c'est vraiment une galère de ouf. Moi, perso, j'ai mis peut-être 30 minutes à le mettre le matin et encore, je m'étais déjà un peu entraînée avant. Enfin, bon, bref, c'est vraiment super galère. Et en gros, enfin, ça va, je vous le recommande si vous voulez pas un truc de super, super, super bonne qualité. Mais si vous voulez un truc juste modeste et que si vous voulez pas mettre un prix exorbitant, allez-y. Il y a ça, ce truc en cuir là, à mettre pour la taille, pour de taille, cuir, c'est pas perso il m'a coûté toujours sur AliExpress 3,50€. J'essaierai de vous mettre des petits close-up, des screens de mes commandes.
donc voilà. Alors bon, c'est froissé, hein, c'est normal parce que je l'avais mis n'importe comment dans un sac. Donc ça c'est pratique parce que en fait c'est une taille unique et on peut régler selon le tour de taille avec un scratch. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà et bah franchement ça pue toujours un peu ça pue toujours pas mal le plastique. Ça se voit que c'est pas un truc de ouf, mais franchement ça va, hein, 3,50€, je veux dire, je vais pas me plaindre. Et pour le cosplay, franchement c'est un bon rendu aussi, c'est vraiment super bien, je vous le recommande aussi. À part si l'odeur vous dérange. Là c'est un peu le bordel, on voit pas grand chose, hein, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors moi elle m'a coûté 14,89€ du vendeur Beats. Ok, je me tais. Web store. Donc ça a pris comme ça, donc ça c'est sans les lunettes. Ben voilà, elle est bien. Moi, je trouve qu'elle est bien. Juste à part le fait qu'elle tient pas super bien, je trouve. Enfin, je pense que c'est vraiment dû au fait qu'elle est lourde, en fait. Et donc, voilà. Si vous voulez faire un IGU, je peux vous recommander cette wig pour avoir qualité-prix, etc. Bon, là, c'est pas super bien coiffé. On consomme bien d'accord. Il y a un petit problème de coiffage, hein. Mais bon, bref, voilà. Je vais pas finir la vidéo comme ça. Je vais juste vous présenter en même temps pour que je vous montre après comment ça rend. Les lunettes, je les ai achetées à part. En fait, vu que je me suis pris à la dernière minute, les lunettes, je les ai achetées chez Claire's. Donc, c'est pas les lunettes vraiment de Angie en fait. Parce qu'elle y a hésité aussi sur AliExpress, mais le problème c'est que le délai minimum de AliExpress c'est. 2 semaines et donc il restait 1 semaine pour avoir la Paris Manga et je voulais avoir mon cosplay à Paris Manga quoi. Sauf que le problème c'est que j'ai pas vu que ces lunettes là étaient arrivées avant le jour de la Paris Manga. Du coup je me suis retrouvée sans lunettes. Du coup j'ai galéré comme je sais pas quoi. Enfin bon voilà. C'est génial. Donc avec les lunettes ça donne. Oh ça fout. Ça donne ça. Donc voilà. Ça va, je trouve que c'est quand même. Ça va, c'est plutôt ressemblant à Angie. On voit les reflets, c'est dégueulasse, mais bon, tant pis, hein. On fait avec. Voilà. Ça donne ça. Donc avec la wig coiffée, ça va. Ça va. Franchement, c'est pas dégueu. Donc, ça me gêne. Hein. Bonjour. J'ai une tête affreuse avec ça. Bon, enfin bon. Tu veux me pécho. Hein. Coucou. Tu veux voir ma bite? Donc voilà. Et je trouve aussi que les wigs, ça fait mal à la tête. Parce que c'est la première fois, c'est mon premier cosplay, du coup, voilà. Je trouve que ça fait un peu mal à la tête, à la fin de journée. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, ah oui, les bottes. Fameuses bottes. Du bataille de l'exploration. Alors, c'est des bottes très hautes, hein, comme vous le voyez. C'est très très haut, ça arrive au-dessus du genou. Donc moi je l'ai commandé en taille donc en taille 38, bah, donc c'est ma taille de pied. Je vais vous dire tout de suite c'est quelle, désolé si je regarde là, hein, c'est, je regarde mon ordi. Donc c'est du vendeur Emilie Fashion Shoes Co. Voilà, ça, elles m'ont coûté 30€, ça va. Non, elles m'ont coûté 20€. Mais elles étaient en réduction, mais sinon normalement... Ouais, non, elles étaient le wifi qui rame. Enfin, à la base c'est 30, mais j'ai une réduction avant, je vais y arriver. Donc voilà, donc c'est l'article là, je vois qu'il n'est plus disponible, du coup, bah, voilà. Donc, elles sont bien, franchement, elles sont bien. Font pas vraiment mal aux pieds, enfin, moi, j'ai pas eu de problème. Je suis pas habituée à porter des talons, ni des bottes comme ça, du coup, ça m'a fait mal aux pieds logiquement. Et, ouais, par les mangas, c'est fatigant et tout ça, mais sinon, franchement, non, ça va, hein. Ça va, j'ai pas eu de problème avec ces chaussures. Moi je l'avais commandé en taille 7, je crois, en US. Désolé si je dis tout le temps. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Alors ensuite, il y a le pantalon blanc.
Alors ça, c'est pas du tout un officiel, je l'ai acheté chez Nîmes. Hein. Voilà, 9 euros pour les soldes. Ça, c'est, je l'ai acheté en taille 36, mais c'est un peu trop grand, mais bon, c'est pas grave, hein, ça taille bizarrement. Quoi. Mais c'est pas grave, en fait, vu qu'on on verra pas avec les bottes qui vont jusqu'au genou. Voilà, ça passe largement, il y a des trous aussi que pareil, on voit pas. Voilà, ici, c'est un peu à taille haute. Et bon, voilà, j'ai pris le premier venu et le moins cher surtout. Bon, voilà, franchement, si vous voulez un truc pour votre cosplay SNK, sans vous ruiner, sans, si vous voulez pas forcément passer par internet, parce que moi en fait, je sais qu'on peut le commander sur internet, mais moi perso, je voulais pas. Voilà, parce que je préférais le trouver pas cher en boutique, surtout c'était le moment des soldes en fait. Ça. Après, ouais, vous pouvez le trouver sur AliExpress facilement, je pense, sans problème. Ensuite, la dernière chose, c'est ma chemise, la chemise blanche. Donc, Angie, à la base, elle a une chemise jaune, mais moi, enfin, j'ai pas trouvé de la chemise toute seule, sans le cosplay entier sur AliExpress. Donc, bah voilà, du coup, bah, j'ai été en acheter une blanche chez Kiabi, voilà, 9 euros, super. C'est pas cher du tout et c'est bien, ça va. Donc, surtout que vous pouvez la porter tous les jours, en fait. Voilà. Voilà. Je vous la recommande aussi si vous voulez pas vous fouler. Donc, bah, c'est tout, je crois. Bah, c'est tout pour ce cosplay. En tout, j'en ai pour 90 euros. Donc, franchement, ça va. Ça va. C'est pas excessif pour tout ça. Non, en tout. Non. Juste pour AliExpress, j'en ai pour 90 euros. Après, en plus, si on rajoute le pantalon et la chemise, ça m'a fait ça, à peu près 108 euros, enfin même carrément 108 euros en fait. Donc voilà, bon, ça va, c'est pas excessif pour tout ce qu'il y avait. Puis ouais, c'est quand même un cosplay assez entier, donc c'est raisonnable. Après, si vous avez un petit budget pour les cosplays, c'est sûr qu'il faut éviter de vous cosplayer en la tête des titans. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et bah, pour moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.